Voyage en récit. Clément Guarneri. Et vous Scrive. Clément Guarneri, merci. Nous nous retrouvons, donc nous ne sommes pas, une fois de plus, pas en Finistère dans cette émission sur RCF en Finistère, mais nous sommes avec vous à Paris, où vous exercez le métier de bouquiniste des quais. Vous êtes au quai Saint-Michel, en plein cœur de Paris, donc sur les quais de Seine, non loin de Notre-Dame. Vous avez 29 ans. Et dans cette profession qui compte peut-être plusieurs centaines de, de, de bouquinistes, je crois 300, combien de, de, de jeunes tels que vous comptez-vous et qu'est-ce qui vous a amené à ce métier Alors, euh, tout d'abord, il y a très peu de jeunes bouquinistes. Ils a, ils, depuis quelque temps, la mairie, finalement, privilégie un petit peu une espèce de renouveau. Donc, il y a de plus en plus de, de jeunes candidats qui obtiennent un emplacement sur les quais. Je crois que nous sommes une dizaine à peu près, euh, entre 25 et 40 ans, disons. Donc, une population euh, relativement restreinte, si je puis dire, pour représenter la jeune génération, mais euh, avec l'envie de vendre des livres et de remettre euh, finalement euh, les pieds dans la, dans la tradition de ce métier. Les jeunes gens souhaitent euh, reprendre la, le flambeau de la tradition des bouquinistes, si je puis dire. Toujours est-il qu'ils essayent de le moderniser, ce métier tout en conservant évidemment la tradition. Alors plusieurs d'entre nous ont recours à des techniques diverses et variées. Oui, comment on fait pour moderniser un Alors, tel métier Quelles idées on peut avoir C'est justement euh, tout l'enjeu, je pense. Euh qui se présente à nous au XXIe siècle, non pas seulement dans le corps de métier des bouquinistes, mais pour beaucoup de, de commerçants, euh, à l'heure où les grandes plateformes nous concurrencent euh, avec des moyens euh, techniques et logistiques euh, sans précédent. Oui. Euh, il s'agit donc peut-être finalement de remettre en avant, euh, comme euh, il est de mise aujourd'hui, le commerce de proximité, oui. apporter une forte euh, valeur ajoutée euh, du point de vue de l'identité, des valeurs, alors des valeurs euh, certainement humanistes une philosophie et une qualité de service à travers un conseil littéraire, philosophique ou historique qui, qui n'est pas disponible oui. encore sur cette plateforme. C'est-à-dire que les, les personnes que vous voyez arriver comme potentiels clients viennent de plus en plus vous demander un, un, un conseil, une idée de lecture par rapport à leur goût. Est-ce que vous voyez aussi revenir euh, peut-être justement des, des Parisiens qui habitent pas loin et qui se disent bah tiens j'ai toujours fait le même euh, je sais pas le même librairie et pour une fois je vais changer mon habitude et j'ai peut-être aller voir du côté des quais ça ça peut revenir ça alors pour être tout à fait honnête avec vous euh, mes meilleurs clients sont souvent des Parisiens mais en proportion de ma clientèle globale les Parisiens représentent très très peu euh, je veux dire, il faut il faut quand même admettre que les Parisiens ont un petit peu déserté les quais alors pour plusieurs raisons euh, les quais sont, sont devenus euh, en raison de de, de problèmes euh, lié à l'économie, il est de plus en plus difficile de, de vivre de son activité sur les quais. Par conséquent, euh, il y a eu beaucoup de, de boîtes qui sont devenues très axées sur le tourisme. Et je pense qu'en effet, les, les Parisiens ont préféré euh, retourner dans des librairies indépendantes, dans des espaces destinés purement et simplement aux livres. Mmh. Et en effet, les, les quais avaient un petit peu perdu leur, leur vocation, mais euh, qui, je le répète encore une fois, liées à des moyens de subsistance et d'existence. Il est très difficile de vivre du livre... Surtout qu'il n'y a pas forcément une formation, beaucoup de gens sont oui. autodidactes. Maintenant, euh, il est certain que dans un contexte comme la crise sanitaire, on se rend compte que finalement ceux qui vont tenir sont ceux qui vont miser sur le livre et sur ce commerce de proximité. Oui. J'ai revu quelques Parisiens venir, ce n'est pas un mouvement global et général, c'est certain. Maintenant, euh, le, le, plus, le plus difficile dans le contexte actuel, c'est en effet l'absence des provinciaux qui eux font, font vivre euh, les quais, qui ne sont pas là. Les étrangers aussi, beaucoup oui. d'étrangers oui. francophones hein, qui, qui achètent des livres. Oui. Euh, ils n'achètent pas que des, des souvenirs. Et euh, leur absence fait que l'activité est, est en train de, de baisser, de, de diminuer drastiquement. Et comment trouvez-vous justement tous ces livres Parce que on vous voit toute la journée sur le quai, mais... Où trouvez-vous le temps justement d'aller les chercher, d'aller les acheter, peut-être je ne sais pas où d'ailleurs Alors, la, la journée du bouquiniste, évidemment, c'est un petit peu comme un iceberg. Les caisses, c'est la partie visible mmh. de l'iceberg. Et puis, euh, tout ce que vous ne voyez pas, c'est l'avant et l'après. Alors, l'avant, c'est euh, le matin, il faut se lever très tôt. Il y a des marchés, des brocantes. Vous pouvez aller racheter des livres mmh. chez des particuliers qui font appel à vos services. Vous avez différents centres euh, de, dans lesquels, notamment par exemple des recycleries, bon, vous pouvez éventuellement aller racheter des livres dans ces endroits. Ce n'est pas là où on trouve le plus gros de, hum. de notre marchandise. Généralement, ce sont des accords avec des marchands et des brocanteurs. Ah oui. C'est ce qui vous permet d'avoir un réassort. Euh, des liquidations régulier. de magasins, peut-être Voilà, tout à fait. Il y a aussi les enchères. Ah Alors, oui. Chacun, selon ses capacités ou ses modèles, va euh, avoir recours à un type de canal pour acheter de la marchandise. Donc, ça peut être les enchères pour l'un, brocanteurs, d'autres amis libraires ou des marchands qui travaillent entre eux. Donc, ça, c'est une modalité d'approvisionnement. Je vous disais beaucoup les particuliers aussi, oui. ce, ce n'est pas négligeable. Alors, dans le contexte actuel, certainement, euh, c'est plus difficile, mais en règle générale, c'est quand même la source d'approvisionnement principale. Et puis les brocantes, eh oui. les, différents, les puces, etc. Ou... Chez les particuliers, vous croisez un peu de misère, des gens qui viennent à tout prix pour vendre tout ce qu'il leur Alors... reste Ça peut arriver je ne l'ai jamais vu, pour, pour tout vous dire. J'ai souvent vu des gens qui avaient un parent décédé oui. et qui avaient un, un appartement ou une petite maison, en, un pavillon en banlieue à vendre et qui se séparaient par conséquent du mobilier, des livres, des éventuels tableaux qu'il peut y avoir dans, dans ces maisons-là. Ensuite, si vous avez un réseau professionnel intéressant, on peut vous appeler pour faire la, la suite d'une succession qu'un confrère a déjà fait. Oui. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, sont un peu les sources. Alors évidemment, ça généralement vous le faites le matin. Les brocantes se font très tôt le matin. Les particuliers, c'est vous qui aménagez en pleine journée ou le matin, l'après-midi, que sais-je. Et puis le soir, vous avez évidemment toute la partie euh, que je qualifierais de ce, ce qui, ce qui, a, ce qui trait à la manutention du, du livre. Donc vous avez une, une la possibilité de restaurer parfois des livres, ah oui. euh, tout simplement les emballer, euh, car il faut les protéger. Oui. N'oubliez pas que nous sommes non. en extérieur. Oui. L'humidité, la chaleur, tout ça abîme le livre, le papier. Et c'est vrai qu'un livre qui est mis sous cristal, par exemple, et qui est exposé au soleil, sera, aura une durée de vie plus grande que... Le cristal, c'est le plastique que vous utilisez. Non, non, non le cristal, c'est un papier un peu opaque, qui protège ah oui. les, les couvertures du soleil. Oui. Euh, nous sommes malheureusement obligés d'emballer nos livres dans du cellophane. Alors tous ne le font pas, ça n'est en effet pas très écologique, mais le problème, c'est que les livres se détériorent très rapidement si oui. on ne les emballait pas. Oui, Il y a de l'humidité dans les boîtes. Oui, euh... oui. Et... Justement, vous, euh, vous, êtes, vous avez une spécialité, il me semble, notamment dans tout ce qui est littérature russe. Vous, vous appréciez cela. Vous en, on peut le voir d'ailleurs sur, euh, on peut le citer d'ailleurs. Vous avez une page Facebook, la bouquinerie de euh, Saint-Michel, là, du quai Saint-Michel. Comment cela vous est-il venu Est-ce qu'il est commun que les bouquineries c'est souvent une particularité, un domaine précis dans lequel ils il se démarquent un peu des autres Et est-ce que cela fonctionne en France euh, sur les quais de Seine, de vendre dans ce rayon-là alors euh, dès lors que vous faites vous déposez votre candidature euh, pour devenir bouquiniste, on vous recommande euh, assez fortement de vous choisir une spécialité, ce que je trouve tout à fait judicieux en effet car euh, il y a de nombreux bouquinistes et il n'est pas nécessaire de se placer sur un, un segment de marché qui est déjà très occupé, me semble-t-il. Alors évidemment, euh, vous, vous représentez aussi, la, euh, vous devez, pardon, de défendre la culture française. Donc vous avez nécessairement des livres, les grands classiques de la littérature française ou des écrivains oubliés et méconnus. Mais bien entendu, cela ne suffit pas pour vivre. Et si vous voulez avoir des clients fidèles, il est nécessaire de développer euh, une, une spécialité. Mmh. Alors cette spécialité, qui est pour moi la, la Russie et les, la littérature slave en général... J'ai choisi de la développer tout simplement parce que c'était le, le sujet de, un sujet de prédilection des liens liés à l'enfance. Alors je ne suis pas du tout d'origine russe, mais j'ai été élevé dans, dans, dans la tradition de la lecture et ma grand-mère notamment m'a donné le goût des classiques russes et de la littérature slave euh, dont j'ai hérité. Et j'avais j'avais envie de, de défendre cette littérature-là en plus de la littérature française sur les scène je trouvais qu'il y, y avait déjà quelques marchands qui la défendaient, mais pas suffisamment, et puis j'avais envie de montrer d'autres auteurs. Alors tout en continuant avant Tolstoï, Dostoevsky, Tchekhov ou Goncharov, je voulais aussi faire place aux avant-gardes. Russe du début du XXe siècle, au siècle d'argent, la fin du XIXe, et éventuellement remettre au goût du jour certains écrivains qui ont eu une certaine popularité au XXe siècle, notamment après la vague d'immigration liée à la révolution russe, et qui sont un petit peu tombés en désuétude. Bulgakov Alors, Bulgakov est toujours aussi populaire, non Je pensais à des gens comme Remizov. Euh, je, je vois aussi un écrivain qui avait été traduit, euh, qui s'appelle Rechetnikov. Qui est l'inventeur du naturalisme, bien avant Zola en Russie, oui. euh, ce qu'on a appelé les Narodniki, et donc les défenseurs du peuple, mais sans euh, étiquette politique et en demeurant, c'est d'où le, le terme de naturalisme, qui décrivait la vie des petites gens, des ouvriers, des artisans, des paysans, alors soit dans les villes, soit dans des provinces reculées de la Russie euh, tsariste. Et je trouvais intéressant de remettre une littérature à tort qualifiée de littérature de terroir. Là, voilà, je voulais remettre en avant cette littérature-là parce que la, la, la vision classique, qui, qui a tout à fait, qui a un intérêt, hein, bien entendu, à travers Dostoïevski, tchekhov Bulgakov ou Tolstoy, comme je le disais précédemment, me semble occulter une autre part de, de la littérature russe qui a qui a énormément de sens et qui aspire à, finalement à la même universalité mmh. vous pourrez retrouver euh, des choses euh, qui vous parleraient chez lescoff par mmh. exemple alors il y, y avait un éditeur qui, qui a mis en avant hein, cette littérature dans les années 70 80 qui était Dimitrijevic euh, un serbe qui a créé l'édition l'âge d'homme à lausanne euh, alors bien avant hein, euh, les années 70 mais c'est vraiment dans les années 70 80 et même 90 que sa maison d'édition a eu euh, un succès assez important, et vous trouvez notamment chez cet éditeur un nombre de titres très importants ah oui. sur la littérature russe, un fond passionnant, intéressant, des auteurs euh, finalement assez atypiques, qui euh, nous, nous rapprochent beaucoup plus de ce que la Russie a pu être autrefois, et, euh, et de ce qu'elle a été aussi euh, donc, durant, durant euh, le XXe siècle, et, et c'est pourquoi euh, j'avais à cœur de de remettre sur le devant de la scène ces ouais. auteurs et chez les poètes peut-être bien sûr on n'a pas parlé de la poésie alors c'est très important il y aurait euh, bien entendu mayakovsky essénine euh, arkhmatov etc Brodsky... Bon. Et, et mandelstam euh, mandelstam que j'oublie de, de citer en effet vous avez aussi Constantin Balmont, euh, Tarkovsky aussi peut-être oui, un peu il le, le, de, du, du le père du cinéaste, le père du cinéaste, qui est tout, tout aussi intéressant. Alors je ne pourrais pas tous les mais... citer aujourd'hui, mais en effet il, il s'agit pour moi de rassembler vraiment tout, toutes ces intellectuels, tous ces poètes, ces, ces écrivains, ces penseurs qui nous permettent d'entrer euh, en terre de récit, si je puis m'exprimer ainsi. Le seul bémol, c'est que vendant euh, des livres d'occasion, je n'ai pas toujours la possibilité de trouver tout ce que je connais. Oui. Alors c'est un petit peu du coup par coup, il est vrai qu'il est, euh, est assez difficile de trouver ces ouvrages-là, de, de, de les dénicher sur des, des marchés ou même euh, chez des particuliers, car c'est tout de même une niche, c'est oui. un centre d'intérêt très spécifique. Mais vous avez des, quand même des, des clients qui vous demandent de les avertir si tel ou tel livre passe entre vos mains, j'imagine. Ah oui, bien Ça, entendu. Vous pouvez être contacté par Facebook. Tout par, à fait. Ou, tout euh... à fait. Voilà, ouais. Alors, soit par téléphone, sur les quais, par Facebook, puisque maintenant j'ai développé cette page. Et, et tout l'intérêt est justement là. C'est-à-dire que, vous voyez, nous, nous parlions tout à l'heure de, de la spécialité, de, de cette spécialisation nécessaire sur les quais pour vous faire un, un carnet client. Oui. Eh bien, euh, typiquement. Le fait de rassembler euh, tous ces auteurs-là, ou d'essayer en tout cas d'avoir une thématique forte et présente sur les quais, vous permet de travailler de cette façon-là. Ce qui est beaucoup plus commode hein, pour, pour, pour vivre, parce qu'en oui. effet, il y a une, comme je vous le disais tout à l'heure, il est difficile aujourd'hui de, de s'en sortir sur les quais. Alors, justement, au niveau des clients, comment ça se passe Vous avez des. Euh, bon, il y a les gens de passage qui passent une fois, vous les verrez à jamais les gens entre deux trains, entre deux gares. Vous avez aussi les gens pressés qui rentrent chez eux, vous avez aussi peut-être des habitués, l'habitude du dimanche qui passe tous les jours à la même heure, enfin ou en tout cas chaque semaine, chaque, le même jour à la même heure. Il y a aussi des, des aléatoires. Enfin, Est-ce que vous arrivez à voir différents types de, de clients avec différentes habitudes oui, oui, alors il y, a, il y a tous ceux que vous venez de citer, les habitués qui passent, qui sont presque des monomaniaques du livre si je puis dire, avec lesquels il est d'ailleurs tout à fait intéressant et enrichissant de, 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 de discuter. Ceux-là viennent le même jour, systématiquement. Quasiment aux mêmes heures, en effet, alors soit après le travail, soit à la pause du déjeuner. Ils vous demandent systématiquement si vous avez rentré des nouveaux livres, ils sont à l'affût de la moindre nouveauté. Oui. Euh, leurs critères sont en effet euh, presque, je, je ne dirais pas excentriques, mais enfin, on est, on est vraiment chez des gens qui cherchent des, des ouvrages rares, épuisés. Euh, méconnu. Ouais. Et, et là, c'est intéressant parce que pour vous, c'est un petit peu une chasse au trésor. Mmh. Après, vous avez les clients qui sont de passage, que vous ne revoyez pas. Donc, typiquement, le, le touriste qui passe à Paris, mais qui a un intérêt pour la littérature française euh, et, qui, et qui veut repartir avec un texte. Alors là, vous êtes plutôt sur des ventes assez, assez classiques. Vous allez vendre Camus, Sartre, euh, Simone de Beauvoir, que sais-je Mursenard. Mursenard, tout à fait. Mais euh, vous, avez, vous pouvez avoir un échange alors tout à fait passionnant et, et intéressant, mais c'est vrai que généralement ces gens-là euh, visitent des monuments, par conséquent c'est un achat euh, rapide mmh. et euh, l'échange est bref. Et puis après, vous avez des étudiants qui peuvent venir ou des gens de oui. la province qui sont eux aussi. Euh, de, alors, l'étudiant se, se balade, les gens de la province sont de passage à Paris, mais avec laquelle vous, vous nouez euh, des, 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 presque des liens d'amitié, si je puis dire. Alors, peut-être le, le mot est un peu trop fort, mais euh, en effet, vous êtes amené à les oui. revoir assez souvent et à avoir des échanges passionnants, intéressants, et finalement, ce n'est plus unilatéral. Vous vous nourrissez à travers oui. cet échange. Et ce qui est passionnant dans ce métier, justement, euh, même s'il y a peu de clients, finalement, le peu de clients qui viennent, c'est toujours enrichissant. Oui. C'est la force de, de ce travail-là, je trouve, que je, je ne pense pas que ces choses-là existent euh, autre, dans d'autres lieux que les librairies indépendantes ou sur les quais. Euh, c'est vraiment euh, ce lien euh, très particulier avec le client. Il y a en effet une partie commerciale, mais finalement, euh, vous faites, euh, chacun accompagne l'autre dans oui. sa démarche intellectuelle, spirituelle, philosophique et morale. Et je trouve que c'est ce qui fait l'intérêt de ce métier et la, et la valeur euh, du, du travail de libraire qui, qui, en effet, le libraire est un passeur et ce passeur-là doit être une éponge. Euh, mmh. S'il veut pouvoir renseigner correctement ses, ses clients, les, les suivre dans leur dans leur cheminement intellectuel, il se doit de, de les écouter et, euh, et de leur enseigner et de transmettre. Et, je crois, si je ne m'abuse, c'est Michel Serre qui disait ça. L'avantage d'un livre, c'est que lorsque vous. Alors certes, vous achetez un livre, mais vous ne repartez pas simplement avec un objet. Vous avez acquis quelque oui, chose en le oui, lisant. Oui, oui, eh bien, ça. je dirais que, à travers la, la relation entre le client et le libraire ou le bouquiniste, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu équivalent. C'est-à-dire que euh, personne ne se fait damer le pion. Oui. Certes, le commerçant euh, gagne de l'argent, mais enfin, euh, si le client est fidèle, il y a quelque chose d'autre. Oui. Et qui fait, euh, ce, que, ce que je vous disais, c'est un petit peu euh, comme les épices dans un bon plat. Sans, sans épices, le, le bon plat n'est plus un bon plat. Mmh. Et bien sûr, les caisses, c'est un peu la même chose. Et avec tout cela, avez-vous encore pour vous-même le temps de lire et, 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 et le goût Alors, le, le temps, on l'a de moins en moins. C'est un petit peu comme le cordonnier, on est le plus mal chaussé. Mais euh, non il faut le prendre de toute façon il faut le prendre même si euh, en effet votre temps de lecture diminue par rapport aux années lorsque vous êtes étudiant, vous avez aussi les beaux jours, hein. vous pouvez en profiter, vous n'êtes pas toujours euh, euh, envahi par, euh, par, par les clients ou les touristes pour. Hmm. Pour faire des ventes. Par conséquent, vous avez quand même un petit peu le temps de lire sur lesquels lorsque la température est agréable. Et il faut lire. Un libraire qui ne l'est plus ne peut plus exercer son métier, à mon avis. Oui. Vous êtes quand même là pour vous nourrir et pour aussi nourrir les autres. Les autres. Et quels sont justement vos auteurs favoris, à vous personnellement Alors, j'en ai beaucoup. Ce serait difficile de tous les citer. J'ai été très très influencé à une période de ma vie par des auteurs comme euh, Louis Ferdinand Céline Léon Blois euh, j'ai beaucoup aimé aussi Paul Nisan, Henri Calais par exemple ce sont les noms qui me viennent, j'ai énormément j'ai bien évidemment euh, beaucoup aimé Marguerite Ursenard, euh, ouais. Les Morts d'Adrien Ah oui, Les Morts d'Adrien, c'est quelque chose profondément marqué euh, une prose à mon avis sans précédent on attend avec impatience de nouveaux écrivains euh, de, de cette valeur là on les attend Alors, Et... ils viendront peut-être c'est aussi le lieu je mange de reparler peut-être de certains euh, auteurs euh, aujourd'hui un peu tombés dans l'oubli. Euh... Euh, je sais pas. Je pense à des gens, bon, peut-être parfois peu recommandables, mais euh, ce vrai Céline a quand même une réputation assez sulfureuse. Je pense aussi à un Lucien Rebatet. Vous en vendez un peu Alors, euh, il est très difficile de trouver des, des livres de Lucien Rebatet d'occasion. Les décombres, euh, notamment les, alors, les, les deux étendards. Mais... les décombres, évidemment, euh, comme euh, les décombres ont été un best-seller de l'occupation, euh, il est assez aisé de les trouver finalement d'occasion, mmh. surtout si vous avez un, un réseau pour pour ça. Quant aux deux étendards et aux épimures, dans, dans l'édition d'époque, euh, il est très difficile de les trouver. Je, je vous avoue que moi, ce serait plutôt le côté les deux étendards et les épimures qui, qui m'intéresse. Ouais. Hein, le, le côté sulfureux bon, tout, est assez connu désormais. Euh, la, la, la valeur euh, littéraire de Lucien Rebatté est ma, malheureusement éclipsée hein, par, euh, par les décombres. Et c'est bien dommage, car en effet, c'est probablement l'un des plus grands romans euh, de l'après-guerre dont on, dont on ne parlera pas, parce oui. qu'il y, y a un interdit euh, sur, sur le personnage. Bon, ou, déjà, ou, il, faut, euh, il faut quand même de la patience, parce que ça fait quand même 300 pages. 1300 pages. Oui. pages oui. Euh, mais alors, par contre, c'est d'une langue, c'est admirable. J'en parlais récemment avec un philosophe, M. Pierre Manière, qui me disait, c'est un génie. C'était un génie, un génie de la langue. Ah oui, il y a, bah, il y a, il y a quelque chose entre Proust et Céline. Hum. Il a repris Agide la trame narrative des faux-monnayeurs. Hein, on oui. retrouve... Euh, voilà alors certes le livre est construit comme un opéra wagnérien très bien mais euh, vous voyez là, il a intercalé des carnets à un moment vous êtes dans la tête de michel oui, euh, oui. Et, et vous suivez les aventures de michel notamment toute cette, cette période où il y a le fameux prairie euh, les, les, les démangeaisons érotiques etc alors c'est ça rythme tout ça rythme le, le, le roman et puis euh, Quelque chose aussi euh, propre au roman stendhalien. En effet, enfin, on retrouve chez Rebatté euh, la, la, la grande influence de Stendhal. Mais la force de Rebatté, c'est d'avoir repris, si je puis dire, un roman assez traditionnel, quoique avant gardiste puisque on est dans la lignée des faux monnayeurs de Gide, avec une langue à mi-chemin entre celle d'un Proust ou d'un Céline. Mmh. Euh, finalement, Rebatey n'a jamais fait le sacrifice euh, d'une certaine conception de la beauté à travers la langue, d'un certain classicisme, mais qu'il a euh, qu'il a rénové, euh, auquel il a redonné une fougue, une énergie qui... Voilà, typiquement, euh, cette espèce de jaillissement que, qui vient de la prose célinienne et, et, et qu'on ne voyait pas Je veux dire, chez Gide. Bon, Gide, pardonnez-moi, mais enfin, paraît un peu désuet aujourd'hui. Euh, ouais. En tout cas, dans l'écriture romanesque, le journal est beaucoup plus intéressant, il me semble. Mais c'est vrai que les romans de Gide, finalement, à part la porte étroite, nous, nous laissent un peu, euh, un peu indifférent, je pense, aujourd'hui. Alors que Rebatté nous paraît euh, finalement un, presque un contemporain. On a le sentiment que les deux étendards peuvent encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, n'est pas le sentiment, ça, ça parle oui. encore aux, aux gens d'aujourd'hui pour plusieurs raisons, parce et puis, que il oui. y, y, y a cette euh, nécessité euh, c'est un absolutiste dans l'art voilà, euh, la et puis, musique, il y a que c'est toujours édité bien sûr c'est-à-dire chaque année c'est publié à la NRF oui, je... ils ont ils peuvent en écouler je sais pas une cinquantaine ou une centaine par an et, et ça depuis l'édition du livre oui enfin c'est c'est peut-être un truc de niche 50 par an c'est peut-être pas énorme mais depuis la création du livre ça date un livre qui date des années il était en prison donc ça date des années fin 40 fin des années 40 début des années 50 peut-être je me, je rappelle oui, plus, mais... je, je crois que la parution. Euh, je, je me trompe peut-être. Hein, de mémoire, euh, 52 autour de, des années 50. Euh, le, le, le livre a toujours. Euh, bon, Albert Camus l'avait dit lui-même. Euh, oui. Deux étendards est un chef-d'œuvre. Voilà. Alors après, vous, on, on s'arrange comme on peut ou comme on peut. Avec le cas Lucien Rebattem, il n'en demeure pas moins que ce livre est là oui. et, et qu'en fait-on voilà, La littérature, c'est aussi ça. Vous l'avez en ce moment dans vos boîtes Alors non, non, je ne l'ai pas, je vous dis, c'est ah oui. la croix et la bannière pour, pour trouver les deux étendards, euh, ou même les épimures, qui est également, mmh. dont on parle peu, mais qui est aussi un, un très beau roman hein, sur un, un, un prodige euh, du, du piano, qui, de, qui est censé devenir hein, le grand compositeur français euh, qui malheureusement décède lors de la Première Guerre mondiale. Euh, D'ailleurs, je recommande à nos auditeurs de, de lire Les Épimures. Il a été réédité, me semble-t-il, aux Dilettante, il, il y a quelques années. Euh, donc oui, Rebatté, évidemment, est un, un grand écrivain, typiquement. Euh, bon, J'ai je, je, une affection toute particulière pour beaucoup d'écrivains du XIXe siècle. J'aime beaucoup Barbet d'Orvilli, euh, Balzac. Huysmans Huysmans. Euh, que, alors que je, je préfère le premier Huysmans. Hein, je ne vous cache pas que le, le second est plus ennuyeux, euh, très... Euh, Très érudit, il écrit avec un dictionnaire euh, sous les yeux. Bon, oui. ça, ça non, je, je lui préfère Blois de ce point de vue-là en termes de, de création littéraire. Et, et j'aime beaucoup un, un écrivain, bon, qui a, qui, a, qui a du succès, qui est toujours lu quand même, mais qui qu'on ne met pas systématiquement en avant, qui est Villiers de l'Isle. Oui. Je trouve que Villiers de l'Isle est prodigieux. Oui. C'est l'inventeur de la science-fiction. Oui. On parle euh, finalement assez rarement de ça. Euh, et il y a chez adam une, une capacité à, à voir ce qui va advenir faut lire attribue la c'est mmh. c'est hilarant et chez les et chez les catholiques alors bernanos alors Péguy, oui bien sûr euh... bernanos oui, oui bien sûr alors bernanos qui est qui est tout à fait à part euh, qui bah, oui. un franc tireur si je puis dire euh, qui est un écrivain qui en effet très prisé sur les quais Toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Sous le soleil de le Satan, euh, ça oui, part. Bien sûr. Euh, le journal le du curé de, de campagne. Oui, oui la le, grande peur le, euh, des biens pensants Le dialogue des Carmélites. Euh, euh, les grands cimetières sous la lune Les grands cimetières sous la lune Alors tous les écrits d'engagement et de combat hein, de, oui, de Bernanos qui sont qui, qui sont toujours actuels, qui nous permettent aussi de comprendre certaines choses qui ont eu lieu et qui maintenant pourraient nous échapper euh, si nous ne nous, nous y replongeons pas. Euh, et d'ailleurs, je crois qu'il est important de relire ce type d'ouvrage aussi pour ne pas juger euh, mmh. trop rapidement d'une époque, comprendre les itinéraires de tous ouais. ces intellectuels-là. Vous m'évoquiez euh, tout à l'heure Peggy, alors, euh, Peggy, bien sûr. Alors Charles Peggy qui a, qui a toujours beaucoup de succès, notamment pour la, la, les poésies de, de Peggy, ouais. euh, qui est un immense poète. Il y a les, les, les mystères de la charité avec Jeanne d'Arc, qui sont des écrits euh, tout à fait, euh, alors non pas étranges, le mot est, est mal choisi, mais euh, on ne verra plus jamais un écrivain écrire comme Peggy. La, la prose de Peggy est, est sans précédent dans l'histoire de la littérature française. Il y a quelque chose de, de, de l'ordre presque de la liturgie. Il y, a, il y a en effet chez Peggy la tentative d'accoucher à, à travers, dans la langue, mmh. de, de resacraliser la langue et de, et de donner à la langue de l'écrivain et du poète quelque chose de l'ordre de la liturgie. C'est pourquoi ouvrir Peggy, on ne peut pas lire Peggy n'importe comment euh, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre on revient à quelque chose du champ sacré euh, comme ouais. l'antiquité la, la figure du poète est, est de nouveau présente le poète est un intermédiaire entre Dieu ou les dieux et, et les hommes et je pense que Peggy euh, symbolise à merveille ce lien du poète entre les hommes et Dieu. Et chez les Allemands, alors, je pense à Stefan Zweig ou, ou Junger plus récemment. Enfin, ça, ce sont des choses qui se vendent encore beaucoup. Oui, il y a une recherche là-dessus Junger est demandé, Zweig est très populaire, bien entendu. Ouais. Il y a d'autres auteurs qu'on qu demande moins Thomas Mann et ah oui, Thomas Mann, c'est moins demandé. Moi demandé. Hermann Hess et tout Le Loup des Steppes, notamment, se vend assez bien. On, ouais, on, oui. le, on le demande assez fréquemment. Puis après, il y a d'autres auteurs. Alors, beaucoup de littérateurs autrichiens ouais. Joseph Roth. Euh, qui est aussi hein, très intéressant. Vous avez Robert Musil pour L'Homme sans qualité. C est, c est, c est... Alors, ce sont des lectures, il est vrai, euh, réservées déjà à, 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 de, à des initiés, puis à des, les, des lecteurs chevronnés. Il mmh. est euh, très difficile de lire L'Homme sans qualité. Euh, Junger a toujours une grande popularité. Alors, certainement, il y a le côté à la fois soldat, euh, écrivain, poète, entomologiste. C'était un et homme. Un il a traversé plus... le siècle. Bien sûr, bien sûr et puis quelqu'un qui était capable finalement de s'intéresser à des domaines euh, très, varié. très variés. Il y a un côté un peu comme chez Goethe. Enfin, on... Journal, euh, philosophie, euh, roman. Non, J Junger est, est bien évidemment un, un incontournable, et euh, je, je pense qu'il y a, y a énormément de sens à le lire. Alors, certains écrits sont peut-être un peu datés, comme, comme Le Travailleur notamment, mais euh, le, le Recours aux forêts, alors, pardon, oui. je n'aime pas trop l'appellation Traité du rebelle, qui est purement commercial, me semble-t-il, euh, en allemand il, il s'agirait oui. plutôt de ce qu'on a traduit par le recours aux forêts oui. euh, un texte indispensable oui. indispensable on ne peut pas aborder le 21e siècle sans lire le, le recours aux forêts c'est cette nécessité de, la, de de se retirer et de, de faire euh, de s'intéresser à des domaines variés de s'instruire de résister par la connaissance par le savoir et finalement une redéfinition de ce que peut être l'engagement très loin, des appellations politiques, des étiquettes, là où on aurait voulu enfermer Junger dans un, dans un cloaque idéologique, mmh. finalement, Junger, il fait éclater ce carcan. Mmh. Euh, Junger, c'est Junger. Il n'y a, a pas à dire il est récupéré par les nazis ou par euh, une, une nouvelle droite païenne, que sais-je. Junger est un penseur contemporain, finalement. Mmh. Et il échappera euh, à, la, à la classification et à la catégorisation, précisément parce qu'il fait œuvre de penseur et non pas d'idéologue. Et à mon avis, c'est ce qui fait la valeur de Junger. Oui. Euh, c'est qu'il est capable de. Alors, il peut bien évidemment être récupéré à droite, à gauche, mais lui euh, reste, si je puis dire, sur son rocher il et il pense. Oui. Voilà. Il est ailleurs. Il est à la fois là et il est, il est avec le temps et contre le temps, si je puis dire. Ça, Alors, justement, parlons, parlons du temps qui passe, parce que vous êtes sur les quais de Seine. Oui. La Seine passe continuellement, même quand vous n'êtes pas là. Bien sûr. Euh, justement, au cours de la. De, 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 de ce, le long de ce cours d'eau, est-ce que vous bouquiniste de des scènes vous voyez la ville évoluer. Alors évidemment, il y a eu il y a eu euh, récemment malheureusement l'incendie de Notre-Dame. Vous êtes à côté, vous êtes sur le quai Saint-Michel. Comment euh, est-ce que vous étiez là ce jour-là Alors pour tout vous dire, j'étais là ce jour-là. je vais vous dire le, le, le terme sera mal choisi mais je pense que les auditeurs comprendront ce que je vais là Heureusement, euh, je n'ai pas assisté à l'incendie de mes yeux. Je suis parti avant, j'avais tout simplement un rendez-vous. Donc je n'ai donc pas assisté à l'incendie de Notre-Dame, je l'ai appris en revanche par téléphone ça a été enfin un drame pour nous Notre-Dame c'est pas simplement un monument qui fait venir des touristes contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu dire à cette période-là Notre-Dame c'est un peu le cœur de la cité, c'est c'est Paris, c'est un c'est une c'est un livre, c'est une cathédrale, c'est tout un savoir-faire, c'est c'est l'âme de la France, c'est l'âme de de tout un peuple Dire, il faut, les, les cathédrales ont, ont quand même été la grandeur de la civilisation française. Donc à partir du moment où une cathédrale brûle, et, et d'autant plus l'un des joyaux du, du gothique, euh, évidemment que c'est un drame. Mmh. C'est un drame à la fois esthétique, moral, spirituel. Et, et la question se pose, euh, qu'allons-nous devenir mmh. finalement si, si Notre-Dame euh, n'est plus, euh, plus une, une cathédrale destinée à accueillir des pèlerins voilà, alors il y avait beaucoup de tergiversations autour de ça. Indéniablement, il est impensable de voir Notre-Dame de Paris devenir un monument désaffecté, euh, visité par des, des, des touristes, excusez-moi l'expression, un peu charognards. Oui. Euh, non, non, il faut que... On veut réentendre les cloches de Notre-Dame sonner. Pour nous, c'est important. Enfin, je pense, alors je, en tout cas, je parle en mon nom propre, mais je pense que la... La corporation des bouquinistes sera d'accord, euh, il est indéniable que pour nous c'est un point de repère. Oui, c'est un point de repère. Comme notre, pour cette euh, ville, bien sûr. Qui vous accueille depuis le XVIe siècle. Oui, oui. Alors les, les, les quais euh, ont toujours accueilli les bouquinistes. Les bouquinistes n'avaient pas les boîtes vertes que nous connaissons oui. aujourd'hui au XVIe siècle, hein, bien entendu. Euh, c'est assez récent, mais avant on venait avec des paniers d'osier et puis on vendait. Euh, voilà. Donc c'est, Je pense que tous les bouquinistes, euh, c'est un peu le lien à travers le temps avec nos, nos, nos pères. Mmh. Euh, voilà, nous, nous vivons et nous évoluons dans un décor qui certes a changé, mais qui a quand même une certaine permanence. Oui, voilà. et il est vrai que euh, vous me parliez tout à l'heure, alors est-ce que je, je vois Paris changer Alors comme je suis, je suis certes sur les quais, mais je ne suis pas que sur les quais, et lorsque je chine notamment, je, il m'arrive de traverser Paris. Et en effet, je vois que la ville change. La ville change. Euh, la sociologie de Paris change. Euh, des quartiers qui sont euh, qui étaient un peu désœuvrés, qui sont soit restaurés, ou alors des quartiers qui étaient euh, bien et puis qui deviennent euh, un petit peu euh, bon, un peu infréquentables. Voilà euh, pour, pour pour diverses raisons liées à la criminalité ou, ou au laisser aller. Et en effet, Paris change, mais ça a toujours été comme ça. Je, je pense. Je pense que XIXe siècle, vous auriez discuté avec euh, avec un Parisien, enfin un bouquiniste. Sur les quêtes il vous aurait dit un peu la même chose. Hein. Montmartre n'a pas toujours eu bonne réputation. Mmh. Euh, il y avait les Apaches. Bon, maintenant, c'est autre chose. Euh, à Porte de la Chapelle, voilà. Mais euh, c'est en effet intéressant. C'est-à-dire que vous traversez plusieurs mondes. Oui. Euh, c'est un voyage au sein de la ville. Il euh, y, y a quelque chose un peu du roman picaresque là-dedans. Et, et du coup, cette évolution de la ville, bien sûr, elle se répercute sur notre, notre quotidien. Alors, il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou si c'est mauvais. C'est un, un fait. C'est un fait contre lequel euh, la société euh, fait des choix. Alors soit on est pour, soit on est contre, soit on, on essaye de créer des espaces de vie euh, pour recréer du lien social. Euh, voilà, je pense que il n'y a pas de bon ou de mauvais là-dedans, c'est simplement les choses évoluent, et puis il euh, y a des directions qu'on prend. Alors euh, les directions, elles, peuvent être euh, en effet bonnes ou mauvaises. Mais c'est aux hommes d'habiter euh, une ville. Par conséquent, c'est à eux de choisir comment l'habiter. Depuis le départ, les bouquinistes sont sur les quais de Seine ou d'autres rues ont-elles été traînées avant Non, je... à ma connaissance, les bouquinistes ont toujours été sur les quais. Au départ, c'était sur le, le Pont-Neuf. Mmh. Hein, il y avait, des, comme je vous disais, alors les paniers en osier. Et puis euh, après, les, les quais qui ont été évidemment aménagés. Euh, enfin, et puis destinés, hein, il y avait une permission de, de vendre des livres. Mmh. Puis ça s'est poursuivi parce qu'en effet, ça fait sens, c'est une balade. Et puis, euh, ça donne à Paris un, un aspect euh, que n'a nulle autre, autre ville. Vous êtes environ 300 sur cette proportion. Combien euh, vendent essentiellement des livres Parce qu'il y, y a aussi des affiches de films, des affiches publicitaires, euh, euh, des, des objets souvenirs. Euh, enfin, on peut trouver un peu de tout, mais euh, spécialement vous, les livres comme sur le, la bouquinerie du, du, du Quai Saint-Michel. — Bon. Mes confrères vendent... Euh, il, y a des, il y a des confrères qui vendent que des livres, hein, bien entendu. Vous avez le droit de vendre du vieux papier. — Ah oui. Euh, — Donc il y, y a les cartes postales, euh, des gravures, des aquarelles, des lithographies, que sais-je. Euh, tout ça fait partie du métier de bouquiniste. Mmh. Hein. Tout, ce qui, tout ce qui concerne le papier, à sa place sur les quais, comme je vous le disais tout à l'heure euh, lors de notre entretien, c'est... C'est plutôt le, le temps et les exigences économiques qui ont fait qu'à un moment donné euh, la, la vente de livres a baissé et il a fallu trouver une autre euh, rentrée d'argent. Et, et en effet, euh, et bien sur le schéma des quais euh, est venu se greffer ce, ce, ce marché touristique, donc des objets. Alors c'est un. C'est beaucoup critiqué. Euh, on, peut, on peut en effet le comprendre d'un point de vue euh, global, euh, d'un point de vue carte postale. C est, c est, ça peut paraître tout à fait décevant. Maintenant, il faut quand même rappeler que les bouquinistes sont des gens très précaires. Il euh, faut savoir que vous faites un métier en plein air, oui. il y a beaucoup de jours où vous êtes fermé dans l'année euh, en, en raison soit de la pluie, soit du froid, soit des grandes poussées de chaleur, notamment l'été, il devient de plus en plus difficile de oui. travailler en plein mois de juillet ou en mois d'août, oui. des pics de chaleur qui sont, qui sont difficiles à supporter, et, et vous avez peu de temps finalement pour vous faire un salaire sur l'année, et puis euh, bon, le bouquiniste il est comme tout le monde, hein, il veut aussi se reposer et partir en vacances, par conséquent c'est vrai qu'à un moment donné la boîte de souvenirs est devenue une... Euh, un moyen, alors oui. un, mo un moindre mal, si je puis dire, pour... Euh, pour un moyen parrain. Voilà. Les, les, les boîtes restent ouvertes, alors avec, euh, avec des, des souvenirs. Alors be beaucoup de gens euh, s'en offusquent, critiquent, vitupèrent euh, contre les bouquinistes à cause de ça. Il faut savoir que quand vous vendez que du livre, c'est vraiment... Euh, alors vous pouvez en vivre, mais il faut avoir une, une grande connaissance de ce métier-là, et c'est très difficile. Et comment vous en, en vivez-vous mmh. Parce que vous avez des bouquinistes qui ne vendent que des livres mais sont-ils très souvent sur les quais finalement De plus en plus, la vente Internet prend le pas, oui. et les gens qui ont du mal à s'en sortir sur les quais, euh, pour diverses raisons, on n'a pas attendu euh, la Covid-19 pour, euh, pour être précaire et avoir des rentrées d'argent euh, de plus en plus faibles au, au fil des ans, euh, eh bien, il y a ce marché de l'Internet qui, qui prend le pas sur les quais. Et l'enjeu, je, je ne pense pas finalement, on débat de choses euh, depuis quelques années, à savoir... Euh, faut-il vendre des souvenirs Faut-il ne pas en vendre Que faut-il faire pour que les quais deviennent les quais Le problème, c'est le comportement d'achat. Oui. C'est-à-dire qu'on est là en train de dire Ah oui, faut, euh, il faut que les gens viennent sur les quais. Oui, mais pour que les gens viennent sur les quais, que faut-il qu'ils fassent Il oui. faut qu'ils arrêtent d'acheter sur Internet malgré euh, le formatage global qui les encourage à acheter en mmh. permanence à distance parce qu'en un clic. Euh, on est livré chez soi euh, en 24 heures ou 48 heures pour avoir un livre qu'on n'a même plus la patience de chercher et d'attendre. Et parfois même de lire. Bien sûr. Bien sûr. Et le problème, c'est une logique du désir. C'est tout un désir à reconstruire. On n'est plus dans le désir lors lorsqu'on fait des achats sur Internet, euh, ou très rarement, me semble-t-il, on est dans, dans la pulsion. Et donc là, on est vraiment dans la théorie ultralibérale où il s'agit de consommer. Oui. Vous allez chez un libraire, vous n'allez pas consommer du livre, alors il y a peut-être des acheteurs compulsifs comme partout, mais il s'agit véritablement de chercher, de désirer un livre, et donc il y, a tout, il, y a, il y a tout un agencement du désir. Vous cristallisez une image dans votre oui. imaginaire, et une fois que vous trouvez le livre, il y a une réelle joie. Et je pense qu'un livre que vous avez acheté sur les quais, dans un, dans un endroit ou dans une librairie indépendante avec quelqu'un qui vous a adressé la parole, indéniablement ce livre-là, dans votre mémoire, dans votre imaginaire, euh, dans votre galerie de souvenirs, vivra. Il prend une valeur humaine. Voilà. Je ne suis pas certain que des objets achetés de façon compulsive euh, sur Internet jouiront de, 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 cette, euh, de cet arrière-plan-là. Oui. De cette valeur humaine. À mon avis, ça disparaît. Bon. Et vous-même êtes tout à fait heureux, j'imagine, quand vous faites vos recherches de, de, de livres pour les vendre, vous tombez enfin sur tel, tel volume, tel, tel exemplaire d'un livre que vous savez, tel client intéressé. Vous avez la joie de lui dire Ah, je vais enfin pouvoir lui proposer, lui vendre, il va pouvoir le lire. Vous, vous avez ce rapport-là. Quand ah oui, bien sûr, vous voyez le bien client. Sûr. Euh... Ah oui, oui. Oui. Ah vous savez, j'ai autant de joie que le client a trouvé le livre. Alors, euh, on, on, bon, très bien, je suis en effet un marchand, donc euh, je me réjouis aussi euh, de la vente que je vais faire mais il n'y a pas c'est pas tellement cet aspect là c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose comme l ça un lien avec l'enfance sans doute c'est euh, on me demande quelque chose et je suis capable d'aller le dénicher voilà. euh, un petit peu comme un chercheur d'or et, et ça il y a un côté aventure le côté et aventure peu... est couronné par euh, la, la trouvaille sans rappeler le livre de le <rire> <rire> voilà alors, c si vous voulez, c'est vraiment ce rapport-là, tout à fait. Il euh, y, y a quelque chose de l'ordre de l'émerveillement, de la joie, de la gaieté. Et puis, euh, lorsque euh, votre client arrive, vous sortez ça, c'est comme un paquet cadeau presque. Oui. Hein, vous, vous, vous faites un cadeau. Alors, il y, y, y a ce côté qui, quand même, euh, il me semble que là, euh, on est au-delà du commerce. Et, oui. Et c'est quand même, <laughs> je pense que c'est pourquoi on choisit aussi le métier de libraire. Je... Je me souviens d'une anecdote comme ça où vous-même m'aviez finalement, euh, après un achat, m'aviez donné les mémoires d'Adrien de est parce que est pour vous ça paraissait... Euh, impossible <laughs> que je n'eusse pas lu encore ce, ce magnifique ouvrage. Donc, okay, oui, je, je vois la, la joie que vous pouvez avoir euh, et, et j'imagine qu'elle doit être la même auprès d'autres de vos, vos confrères sur les quais. Est-ce que vous partagez un petit peu entre vous ces, ces joies-là ou, 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 ou au contraire les, les anecdotes un peu drôles ou étonnantes qu'ils peuvent eux-mêmes avoir avec d'autres clients Ah oui, bien sûr, oui, oui. On partage aussi les anecdotes moins agréables. Il ouais. hein. ah, oui. y a un côté très bougon hein, chez les bouquinistes. Nous sommes des râleurs. Euh, mais euh, non, non. En effet, on partage beaucoup. Voilà. ce que, que notamment ceux, les, les confrères qui vendent beaucoup de livres comprennent très bien. Ah, j'ai longtemps cherché ça. Je l'ai enfin trouvé. Il y, a, il y a vraiment, je vous dis, il y a vraiment ce côté chasse au trésor et, et cette réjouissance qui, qui couronne la trouvaille. Euh, donc, on, on en parle. On échange entre nous. Après, évidemment, nous sommes assez nombreux. Euh, je ne connais pas tous les bouquinistes mmh. des Quais de Paris, euh, puis les affinités font qu'on va plutôt vers certains que vers d'autres, euh, mais indéniablement, avec euh, les, les confrères avec qui je m'entends le mieux, on partage tout à fait ce, ce type de sentiment et, et, et cet émerveillement. Il y a des grands rassemblements parfois, des, 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 des réunions qui, euh, peut-être pas les 300, mais une bonne partie, viennent pour alors, prendre des décisions, des orientations, il y a une confrérie Alors, il y a une association. Hein, des des, des bouquinistes qui est dirigé par Jérôme Calais. Euh, tout, alors, tous n'en font pas partie. Après, alors c'est un choix individuel. Hein. Il, y a, il y a ceux qui veulent rester euh, indépendants, qui veulent pas entendre parler de l'association. Ou... Mais ils sont quand même attachés à la mairie. Ah, ils sont recrutés ah, ils sont, ils par la mairie. Ils sont, ils sont attachés à la mairie, bien entendu. Oui mais l'association est... elle concerne évidemment de plus en plus de bouquinistes hein. beaucoup d'entre nous en font partie euh, et, et puis c'est nécessaire hein. je pense que ça... enfin, en effet il euh, y a une corporation de métier euh, Si s'il n'y a pas une association pour représenter cette corporation ça va devenir difficile euh, sur oui. le plan de la communication et puis euh, de la représentation aussi. Euh, par conséquent, euh, en effet, euh, grâce à l'existence de cette association, nous avons une réunion annuelle pour voter un budget, pour prendre des décisions, pour éventuellement créer des événements. Euh, L'association des bouquinistes euh, de Paris a, a, a notamment euh, milité pendant très longtemps, et puis tous les ans, nous sommes présents euh, au Salon du Livre rare, il y a un stand ah oui. hein, qui, qui est animé, euh, donc justement pour parler de notre métier, pour parler de la nécessité. Euh, de voir perdurer ce corps de métier qui, qui se défend euh, de plus en plus difficilement, ça devient, ça devient difficile, mais euh, euh, bon, euh, les, les bouquinistes veillent quand même, et puis euh, beaucoup d'entre eux font en sorte que le, le, le métier ne disparaisse pas, elles le font vivre. Peut-on imaginer les caisses en les bouquinistes Est-ce que c'est une menace je, je vois... Oui, alors, la menace est là. De toute façon, euh, c'est indéniable. Euh, ce serait être naïf que de penser que le, les bouquinistes seront toujours euh, présents sur les quais si le comportement euh, des gens ne change pas à leur mmh. égard et, et si les bouquinistes ne s'adaptent pas euh, et vice mmh. versa. Hein, mmh. C'est pas unilatéral. Je pense qu'aujourd'hui, il y, y a la nécessité de, de repenser le métier. Euh, on fait face à, à une hyper technologisation de nos sociétés. Donc face à une division blindée, vous, vous êtes avec votre arc et vos flèches, c'est vrai que ça devient très compliqué de résister. Maintenant, s'il y a une prise de conscience collective et que des deux côtés euh, du. Je veux dire, si du côté des clients et du côté des bouquinistes, si il y a cette prise de conscience et qu'on arrive à, à renouer le lien tous ensemble et à, à faire en sorte que cette, ce métier ne disparaisse pas, alors oui, mmh. euh, la menace sera écartée. Euh, le Le souci ce que je vous disais moi je, je crains plutôt qu'il y ait un problème au niveau du comportement d'achat oui. c'est à dire qu'il y a une telle prédation aujourd'hui des plateformes qui sont simplement des diffuseurs qui ne sont pas des libraires qui, qui se sont arrogés. Euh, ce statut, euh, c'est délirant, vous vendez aussi bien des clous que des livres, que des chanifis, que, que, que du textile, et puis bientôt euh, vous allez même faire du conseil grâce à des algorithmes, ça, ça, ça devient complètement saugrenu et absurde. Mais pourtant, euh, telle est la réalité, et vous avez beaucoup de gens, même instruits, qui vous disent que c'est formidable. Euh, ils sont chez eux, ils font plus l'effort de sortir, il y a une déshumanisation totale euh, c'est pas seulement lié au livre, vous n'allez plus dans les rues vous n'allez plus à la rencontre d'autrui il y a une paresse qui s'installe, on développe peut-être même des phobies, que sais-je oui. et là, euh, on ne veut plus faire société finalement, alors l'enjeu le, du commerce de proximité c'est quand même de créer du lien euh, c'est pas simplement un petit commerçant qui compte sa caisse le soir et qui se réjouit d'avoir fait une grosse journée il faut, faut arrêter aussi avec ce stéréotype euh, tous les commerçants ne sont pas des grippes-sous, ce sont non. des gens qui font vivre des centres-villes, qui l'animent, euh, qui apportent euh, une humanité. Hein, euh, <laughs> de, à de nombreuses reprises, vous pouvez avoir euh, des, des échanges avec vos clients. S'ils n'ont pas le moral, évidemment, que ça vous fait mal au cœur. Vous n'êtes pas indifférent. Non. Nous sommes des hommes. Alors, ça, vous voyez, typiquement, moi, je, je, je me réjouis entre guillemets d'une chose, si, si, on, si tant est qu'on puisse appeler ça une réjouissance, c'est que le jour où les gens vont se rendre compte qu'Amazon ne leur apporte pas ce lien social-là, peut-être qu'il y aura une prise de conscience. Mais il y a une telle facilité à acheter sur ces plateformes-là, et ils sont te, les gens sont tellement encouragés à le faire à travers du marketing et de ce qu'on ne même plus de la publicité. Je c'est un, un système de, de lavage de cerveau. Il faut, il faut en finir avec ça. C'est c'est vraiment la, la lèpre qui ronge le, 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 le petit commerce. Y a-t-il des auteurs justement qui en parlent Qui parlent de vous, des quets de et ah oui, des beaucoup. Leurs bouquinistes Alors, Beaucoup, bon, peut-être moins actuellement, ou en tout cas, euh, je, bon, je ne connais pas les écrivains ouais. qui en parlent, ce serait plutôt ça. Euh, je pense qu'on parle toujours des bouquinistes dans beaucoup de livres. Euh, C'est un lieu mythique, Léon-Paul Fargue en a beaucoup parlé, euh, notamment euh, dans Le Piéton de Paris, mais enfin pas seulement. Euh, je sais qu'il y a une page euh, du Voyage au bout de la nuit où euh, Bardamu fait l'acquisition des essais de Montaigne, parce ah, que oui. la bouquiniste oublie sur le parapet euh, le, le, le livre de Michel de Montaigne, euh, et, et, et tant d'autres écrivains que, dont je ne parle pas, mais qui bien sûr faisaient les quais, notamment au XIXe siècle, beaucoup d'entre eux. Euh, et, et il y a beaucoup d'hommes politiques qui faisaient encore les quais jusqu'à il y a peu. Euh, des, des, des intellectuels, des professeurs. Il m'arrive souvent de croiser des professeurs d'université qui continuent à faire les quais. Donc c'est une tradition qui est vivante aussi bien dans les livres que dans certaines institutions. Les académiciens, euh, peut-être. La quai du n'est pas si lointaine que oui, ça. Bien sûr. Quai de Conti, c'est pas si loin. Non, non, bien sûr. Le, le, bah, le quai de Conti accueille des académiciens. Tout à fait, tout à fait je ne je, je pourrais pas vous citer tous les écrivains ouais. qui parlent des quais hein, mais euh, ils sont ils sont mais vous les libres. voyez parfois sur les quais chercher eux-mêmes parfois alors, des... euh, oui il oui, m'est ça... arrivé de voir euh, bon monsieur Tibéri je crois Jean-Pierre Chevènement alors des académiciens j'en ai pas vu il euh, y a de, bon, des, des hommes politiques qui passent souvent. Alors, certains passent vraiment pour acheter des livres, hein, et, et puis d'autres passent lorsqu'il y a euh, la période électorale bon, pour, euh, pour faire leur, leur petite communication. Voilà, C'est tout à fait différent. Euh, mais en revanche, vous avez beaucoup de professeurs d'université, oui, des, bah oui. Des, des grands spécialistes, euh, tout, domaine confondu, tout domaine confondu. Des libraires qui passent aussi, hein, qui, qui viennent chiner dans les boîtes. Voilà. Eh bien, écoutez nous arrivons au terme de cette émission je vous remercie d'avoir parlé ainsi de, de, de ce beau métier que sont les, les bouquinistes des quais. Pouvons rappeler, Clément Guarnery, que vous avez donc vous animé une page Facebook euh, en français, le livre des visages, intitulé donc euh, la bouquinerie du Quai Saint-Michel, c'est ça Oui, oui tout à fait. Tout voilà. À fait. Vous, êtes, euh, vous pouvez être contacté euh, par ce moyen-là, peut-être pour savoir si vous détenez tel ou tel ouvrage dans vos boîtes euh, à cette période. Euh, voilà. Donc vous vous trouvez sur le Quai Saint-Michel. À quel numéro exactement Alors en face du 17. En face en fait, du 17, nous avons un numéro de boîte. Le, le, mes boîtes sont numérotées 9, euh, mais je suis en face le, le 17. Le 17, quai Saint-Michel, donc pas très loin de cette belle cathédrale Notre-Dame de Paris. Clément Guarneri, merci beaucoup. Merci à vous, Geoffroy Scrive.